dans un papier que nous avons signé, Joseph Facal, Atimé et moi-même, on a démontré comment, avec un pouvoir coercitif, parce que les dirigeants algériens à l'époque n'avaient pas de pouvoir de négociation, hein, la crise économique était là, les finances publiques étaient là, la crise dans la rue était là, la crise sécuritaire était là aussi. Et donc, on n'avait pas beaucoup de choix à l'époque. Et donc, il fallait dire, OK, on va le faire, et puis on va peut-être licencier les 520 000 salariés pour aller encore jeter de l'huile sur le feu. Et on sait qu'est-ce que ça va donner plus tard. Le FMI a fait la même chose, même la Banque africaine de développement. Si vous lisez quelques rapports qui ont été rédigés à l'époque, vous faites ça, on vous donne l'argent pour le faire. Vous ne faites pas ça, il n'y aura pas d'argent. C'est une forme de coercition. Ce n'est pas une démarche volontaire de normalisation. C'est une démarche coercitive. Donc ce sont les trois processus qui vont, d'une manière ou d'une autre, affecter les réformes engagées en Algérie, en Tunisie et au Maroc, plutôt coercitives du côté marocain et tunisien parce que nos frères là-bas n'ont pas suffisamment de fonds ou n'ont pas suffisamment de moyens et de ressources par rapport à nous, bien évidemment. Mais un jour ou l'autre, cela va nous rattraper et que sortir de la situation rentière dans laquelle certains administrateurs hauts responsables de la République sont, c'est une position qui est confortable, donc on va gérer les affaires, on manque pas d'argent pour l'instant, on va les gérer d'une autre façon. Mais sur certains sujets, on va recevoir le diktat de la communauté internationale. Il ne faut pas se le cacher. Et si on veut aller plus loin dans les négociations avec l'OMCE, il y a certains dossiers sur lesquels nous devons normer, nous normer. Mais ce sera la norme internationale. Et puis certains dossiers avec l'Europe, qui sont de plus en plus... L'Europe qui est de plus en plus engagée. Je ne vous apprends rien qu'une bonne partie de la réforme du système administratif, du système judiciaire, du système de la santé, de l'éducation, sont financés grâce à des fonds européens. Il y a des données, on parle de 250 millions, de 1,2 milliard d'euros déjà mobilisés, donc déjà dépensés entre 2005 et 2009. Et il y a 250 millions de dollars sur certains projets qui sont dans le domaine de l'environnement, l'eau, la santé, l'éducation, qui sont à dépenser entre 2009 et 2012. Et donc celui qui donne l'argent, bah, c'est lui qui dicte la loi aussi, en quelque sorte. Et donc le changement, nous devons, un jour ou l'autre, il va y avoir des changements administratifs. Alors vous allez peut-être dire, oui, mais est-ce que tout va bien? Non, la réforme ne bouge pas. C'est-à-dire en 2005, on a cru que tout allait peut-être bouger d'un seul coup. Mais on réalise aujourd'hui, je prends une formule que l'ancien ministre, ou l'actuel, je ne me rappelle pas le nom exactement, mais c'est un des ministres des Finances algérien de l'époque, qui disait, nous sommes en train, mais je pense que c'était Bembitou, qui disait que nous sommes en train de financer le statu quo. Nous sommes en train, au lieu de financer la réforme, nous sommes en train de financer le statu quo. Et ça a été, c'était en 2005, je pense, que cette phrase-là a été lancée. Alors je ne me rappelle pas qui était, pour vous dire à quel point j'accorde plus d'importance aux institutions, et non pas, et même si les hommes et les femmes font et donnent aussi à ces institutions de la chair, des os et de la pensée et du cœur. Donc pourquoi? On le voit, enfin je vais aborder avec vous cette question-là. Nos systèmes ont tendance à rester dans une position rentière, dans une position de statu quo, dans une position... Ça ne regresse pas, même si certains vont dire que l'administration qu'on a connue dans les années 70 était beaucoup plus performante, mais faites la dépense, enfin faites le lien entre les dépenses des années 70, les années 60, 70 et 80, et puis le résultat, je parle de résultat en termes de services publics, en termes de développement, en termes d'infrastructure, et vous allez voir qu'on a dépensé, sur l'efficacité on était efficace, mais sur l'efficience on ne l'était pas. C'est-à-dire quand on fait le rapport entre ce qui a été dépensé et ce qui a été obtenu, on se rend compte qu'on aurait pu faire trois fois, quatre fois ce qui a été fait avec trois fois ou quatre fois moins de dépenses. Ce que nous appelons aujourd'hui la rationalisation. Donc, que ce soit par mimétisme, que ce soit par normalisation, que ce soit par coercition, il va y avoir dans les années à venir un mouvement vers, au moins, c'est les éléments que je vais évoquer, un mouvement vers une plus grande rationalisation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup plus d'argent que dans le passé. Il y aura moins d'argent, c'est la lutte qui est la lutte au déficit, la lutte au gaspillage, qui va de plus en plus aller être perçue
par l'administrateur de la région, les administrateurs, devrais-je dire, de la région, comme étant une préoccupation légitime, pour des raisons d'éthique, pour des raisons de morale, et aussi pour des raisons de transparence. C'est-à-dire, un jour ou l'autre, on va dire, ben, on va faire l'effort de rationaliser, ne pas dépenser comme on l'a fait dans le passé, et de plutôt voir le résultat par rapport à la dépense et aux moyens. Et ça va aller vers ça. Il va y avoir un peu de plus en plus, même s'il y a de l'hésitation aujourd'hui. Si je vous dis, la dernière fois, s'il y a quelqu'un dans la salle, la dernière fois que vous avez fait affaire avec l'administration, je ne parle pas de notre administration ici, mais l'administration au pays, là, vous faites incognito, vous faites affaire avec l'administration, vous n'allez pas me dire que ça a été super bien, tout a été correct, tout a été sur, j'allais dire, de manière comme on le reçoit ici ou un peu plus. Donc ça serait un peu, je ne serais pas contredit, j'allais dire, en disant que c'est l'inverse qui s'est passé. Que ce soit dans tous les pays de la région, l'administration aujourd'hui, elle commence à peine à développer une certaine sensibilité au service aux citoyens. On ne parle plus de la qualité de service, pas encore. On parle à peine, le citoyen est en train de sortir de l'anonymat et devenir un citoyen à qui on doit au moins savoir quels sont ses besoins, est-ce qu'on peut intégrer ses besoins réellement dans les calculs politiques ou politiciens, est-ce qu'on doit aller au-delà de l'aspect politicien, de l'aspect carrière du haut fonctionnaire vers le vrai citoyen et qu'on s'organise en fonction de ces valeurs-là qui disent que ben, je suis au service du citoyen.